19h, et quand je commence un stream, je ne rigole jamais. Jamais. Tu es bien dans The Big Gamoski. Aujourd'hui, cette émission tout à fait sérieuse et crédible va te présenter à nouveau un shmup. Mais lequel est-il, ce shmup? Eh bien, je me suis mis dans des conditions très particulières, puisque je me lève, il est 19h du matin. Et que donc, j'ai décidé de lancer le stream avant même d'avoir le jeu sous le pif. Donc, je ne sais même pas ce à quoi on va jouer aujourd'hui. M'est avis que si c'est quelque chose que j'ai laissé en plan, en me disant tu l'enregistreras plus tard celui-là, bah, c'est un petit peu comme quand vous avez cette odeur qui vient de derrière un meuble, et vous savez pas trop ce que c'est, mais c'est pas très agréable quoi. Et du coup, bah, Space Force 1980, je commence déjà à avoir un bout d'idée de pourquoi j'ai arrêté ma séance de stream sur ce titre. Voyageons-nous dedans ensemble? C'est la grande question du jour. Le temps que je vous fasse la capture d'écran, elle était déjà paramétrée. Ça devait être vraiment une grosse bouse, parce que j'ai dû l'essayer. Et bien entendu, je m'en rappelle. Car c'est... C'est Space Force, de 1980, par Venture Line Incorporated, bien entendu. Et dans ce jeu, ben, on peut y faire des... Point. Et je sens qu'on va s'éclater. Alors là, je commence à avoir le doute parce que je me dis, je l'ai déjà enregistré en fait. Et là, ça m'épargnerait de rejouer à ce truc qui me fait tant envie. Fais voir ta démo, fais voir ta démo. Tu ne serais pas le fameux jeu de SNK que j'ai tant... Non, c'est pas toi, je confonds. Mais tu as dû piquer l'équipe de graphistes de chez SNK en 1980 parce que ça... Vous me direz, parler graphiste et 1980, oui, il y a un certain paradoxe en fait. Donc c'est un astéroïde remis au goût du jour. Avez-vous vu les précédents streams que j'ai fait sur les jeux type astéroïdes? Oui, non, oui. Bon, bah, vous savez à peu près ce qui va se passer. Je vous rappelle qu'il faut que je tienne 5 minutes. Hein. À chaque fois, l'engagement, c'est vous faire voir 5 minutes du jeu. Quitte à meubler beaucoup. Non, non, je ne me suis pas levé de mauvaise humeur. Je vais vous laisser le son à fond. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui souffre. Oula, c'est vif. Donc en fait, la grosse évolution de ce jeu merveilleux des années 80, bah, c'est d'avoir transformé le vectoriel de Asteroids, l'original. Et, à quand je parle? C'est d'avoir transformé donc le vectoriel de Asteroids en... Pixel Auriel! Oui, ça n'existe pas, ils n'ont pas gardé le terme. Mais ils ont essayé de le créer à l'époque. Hein. Je vais l'avoir. J'ai une approche positive de cette aventure. Alors, du coup, il n'y a plus du tout la même gravité. Genre, on avance, mais on dirait que c'est sur des roulettes. Et on met un coup de moteur quand on. Comment ça, vous m'entendez très mal? Mais je m'en fous. Je joue, moi. Et donc, on dirait que c'est un skateboard en fait. Et on met un petit coup de pied pour le faire avancer. Et voilà le type d'inertie que c'est. Ça n'a rien à voir avec Asteroid. De là à dire que c'est mieux, on va pas dire que c'est mieux. Et c'est pas parce que je joue plus longtemps que sur le Asteroid original qu'il est meilleur. Puisque si je prends le temps quand même de vous parler avec des phrases relativement construites et des adjectifs, c'est que on s'y emmerde. Vous avez pas entendu la fin du mot? Si, si. On s'y embête, oui. J'aime bien la BO. On la trouve où? Ils la vendent sur Amazon? J'ai fait mes 5 minutes. 3 minutes 52. Oh, je m'en fous, je vais mettre 1 minute et quelques à remplir mon nom. Quel est donc mon nom? Comment ça, c'est une totale mauvaise foi? Bah oui, je me lève, j'étais à peu près d'une humeur neutre, vous me mettez ça entre les pattes et après vous me dites de faire un sourire. Non. Non. Est-ce que ce jeu est sélectionné? Non, 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 non. Il est sûrement dans les tops. Piou, ça y est. Oh, encore une lettre. J'hésite. 4 minutes 25. Oui, alors. Oh, mais je vais chercher voir s'il n'y a pas un espace, parce que c'est bizarre qu'on passe de A à Z comme ça. Non, 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 non. Est-ce qu'il est dans les tops donc? Bah non, il est pas dans les tops. Comment ça, je fais du ruet, ça se voit. Non, je cherche l'espace, je trouve pas. Bon, zut. Hein. Il va aller dans la malle aux archives, tout au grenier. Et on va l'oublier bien rapidement, puisque. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de gameplay, il n'y a pas de. Il n'y a rien de sexy, quoi. Donc voilà,
Space Force, oublie-nous comme on va t'oublier, parce que c'était vraiment un jeu pas terrible, sauf si vous êtes vraiment fan hardcore de Asteroids et que vous voulez tous les collectionner. Voilà, je vous laisse avec les deux streams habituels, c'est-à-dire la playlist généraliste et la playlist des schmups. Et je vous fais des gros bisous. À demain, 19h. Ciao. Je retourne une couche. 19h passé maintenant.